Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Good day, good evening, dear brethren. Nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. We are from Universal Church of God, a church for all. Aujourd'hui, c'est notre jeudi des études bibliques. Wednesday, today. Mercredi des études bibliques, excusez-moi, on a changé. À cause d'un programme qui s'est ajouté dans la famille tous les jeudis. So today is Wednesday, our Bible study. As you all know that normally our Bible study is every Thursdays, but because of some situation, we change it to be every Wednesdays. Nous vous aimons dans le précieux nom et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le ressuscité le troisième jour. We love you all and greet you all in the mighty name and precious name of Jesus Christ of Nazareth, the man of Galilee, resurrected the third day. Alléluia. Amen. Soyez richement bénis. Be richly blessed. Nous vous aimons dans les précieux noms et glorieux de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. We love you all in the mighty name of precious Jesus Christ of Nazareth. Nous saluons tous nos abonnés. We greet all of our subscribers. Tout le peuple de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. We greet every members of Universal Church of God, the Church for All. Toutes nos branches. Our branches, headquarters branches. Et nous disons aussi merci aux frères et sœurs qui nous encourage, qui surtout pour les livres d'Amos, les hommes de Dieu qui nous ont téléphoné, qui y ont découvert pas mal de trucs intéressants là-bas. So I will also give a big thanks to everyone that you know that support us, you know, encourage us, and also some men of God discover our teachings, especially concerning the book of Amos, and they really appreciate it and they encourage us. We say big thanks to you all. Nous disons merci pour leur humilité parce que ce n'est pas facile pour un homme de Dieu. Les hommes de Dieu sont souvent des orgueilleux. C'est pas n'importe qui va te téléphoner et puis te féliciter. Hein? So we also say thanks for your humbleness because not all men of God can call you and congratulate you for a job well done. No, some are very proud to tell you, oh, you are doing good, to encourage you, but some. Merci vraiment pour vos encouragements, ça nous va tout droit au cœur. Yeah, it touches our heart, we say thank you. Aujourd'hui, nous allons introduire le livre de Abidias, mais avant cela, on va conclure le livre de Amos. So today, we are going to introduce the book of Obadiah, but before then we are going to conclude the book of Amos. But before we introduce the book of Obadiah, we are going to conclude the book of Amos first. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Nous allons vous demander de faire le travail d'un évangéliste. Si vous n'êtes pas si vous pouvez partager, bien aimé dans le Seigneur. Please, we are going to ask everyone to you know, to do the job, the mission of an evangelist by pressing the share button. Partager, peut-être que ça va intéresser un homme de Dieu, ça va intéresser un frère ou une sœur. C'est ça. The glory of God. Tout pour la gloire de Dieu. Please share. Maybe by sharing. Partager, partager. Brother, et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube ou Facebook, and if you have not yet subscribed to our YouTube and Facebook page, Victor Makonda. Abonnez-vous sur YouTube, la page Facebook Victor Makonda. Please do so, Victor Makonda, in our Facebook and YouTube page. Pour suivre nos enseignements, to follow all our teachings, nos temps de prière, our time of prayers, nos prédications, our services of preaching. Soyez richement bénis. Be richly blessed. Et Pasteur Elisabeth va nous conduire brièvement, alors brièvement, dans une courte prière. So Pasteur Elisabeth is just going to lead us in prayer, just few minutes. Comme ça, nous aurons le temps d'expliquer un peu comment Amos conclut son livre et puis comment nous allons attaquer Abidias
qu'on ne fait jamais, qui paraît être inconnu, mais je vous dis, c'est un grand prophète. On va en parler. So just going to be a brief prayer. So we'll have enough time to conclude how Amos concluded his book and to talk about Obadiah. You know, it's like it's unknown to the Bible, but we are going to also discover how powerful it is today. Soyez béni. Be blessed. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all once again, people of God. Que Dieu vous bénisse encore, peuple de Dieu. I hope you all had a wonderful day. J'espère que vous tous, vous avez passé une belle journée. It's very important for us to ask how you all are faring. C'est très, très, très important, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous tous qui nous suivez. To know how you are faring. How was your day? C'est très important pour nous de savoir comment s'est passée la journée pour vous. I know many of you also wanted to ask us how was our day, but because, you know, we are not face to face, we cannot see you all for the moment, so we bless you all, but we are asking you, how was your day? Hope your day was wonderful and marvelous. Je sais qu'il y a aussi des gens parmi vous qui aimeraient nous demander comment nous allons. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Beaucoup ont déjà dit ça pendant la dévotion matinale dans Galates 2, 20 que nous avions méditer ce matin dans la dévotion matinale. Mon dévotion Galatians 2, verse 20. So dear brethren, I want us to appreciate God. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions remercier notre Dieu for making possible for us to be alive. Parce que il a fait en sorte que nous soyons en vie. Let's thank God for our families. Remercions Dieu pour nos familles. Let's thank God for our body of Christ. Remercions Dieu pour l'Église corps du Christ. Let's thank God for our children. Remercions Dieu pour nos enfants. Let's thank God for our wives. Remercions Dieu pour nos femmes. Let's thank God for our husbands. Pour nos maris. Let's thank God for the nation. Pour les nations. Open your mouth and pray in Jesus. Prions. Tendre Père, nous venons au devant de ton trône de grâce. Te dire infiniment Jesus. Merci pour ce privilège que tu nous donnes, Lord, I thank you. De partager ta parole. Lord, merci aussi pour le souffle de thank vie you, Lord, King of qui est le commencement de tout mouvement. Sinon, on ne serait pas debout en train de prêcher ta parole. Voilà pourquoi nous revenons auprès de toi pour te dire tout simplement infiniment merci, Papa, pour la bonne santé, parce que nombreux sont morts, nombreux sont entrés dans les hôpitaux, sont alités dans les hôpitaux et sont en train peut-être de peiner dans les hôpitaux, dans les prisons et tant d'autres circonstances difficiles. Mais par ta grâce, nous avons la liberté d'apporter l'évangile dans les nations, d'apporter l'évangile au Père de gloire, au Père de l'Église, corps du Christ, pour sauver ne fût-ce qu'une âme. Voilà pourquoi, éternel, mon Dieu, mon roi, si en ce moment il y a une ou deux personnes qui peuvent nous suivre et nous prêter attention par rapport au dépôt que tu avais mis à l'apôtre Paul, à Timothée, et que tu as mis aussi à nous, Père de gloire, pour enrichir, pour bénir l'Église corps du Christ. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce dépôt, pour ce privilège. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment agréable que nous avons passé. Béni éternel, tous nos abonnés, parce que c'est toi qui les attires vers cette plateforme. Ce n'est pas un fruit de hasard. Merci aussi, éternel, pour nos familles, pour les nations, les missionnaires, Père de gloire, que tu es en train de protéger partout où ils sont maltraités, dans les nations, dans les pays. Père de gloire, nous te disons merci pour ta main invisible mais puissante auprès de tout cela, Père de gloire, qui sont exposés pour l'évangile. Père de gloire, merci de continuer de couvrir ces éminents hommes de Dieu, Père de gloire, qui sont dans la moisson, Père de gloire, pour annoncer la bonne nouvelle, délivrer les captifs, rendre libres les opprimés. Oh, Père de gloire,
Que ta main invisible et puissante ne cesse de rester sur eux pour les protéger, pour nous protéger. Merci, Père de gloire. Merci, Éternel. Merci, Éternel. Thank you for the privilege, mon Dieu, mon roi, pour ce privilège. To serve you, Lord. Lord Jehovah, I say thank you. Nous te rendons toute la gloire. I also thank you, Lord King of Glory. Merci, Éternel, for our body of Christ, oh Lord. Pour l'Église corps du Christ. Father, I pray, may there continue to be a revival, Lord. Nous prions pour le réveil dans l'Église corps du Christ, parce que l'Église corps du Christ est en train de passer des moments très, très difficiles. Worldwide. Voilà pourquoi nous ne cessons de prier pour les nations, pour les hommes de Dieu, les serviteurs, servants de Dieu, partout dans le monde entier. Oh, Père de gloire, Father in heaven, Lord. Those that réveille ceux qui se sont endormis. Father, have mercy fortifie them, oh Lord. Ceux qui se sont découragés, touch their hearts, parce que c'est un travail them, pas facile. Lord, to talk oh, Père de gloire, to talk viens to you, Lord, au secours. De tout God have respect, oh Lord, Father. Pasteur, granted the grace. Serviteur, servante de Dieu, oh, Père de them, gloire. Oh Lord. Nous prions pour eux, Éternel. To rise up, que tu puisses leur donner la sagesse, oh Lord. L'intelligence divine, oh Jehovah, pour conduire les troupeaux à bon port, parce que tu reviens bientôt. That everyone shall live by their own faith. Merci, Père de gloire. Father in heaven, Lord. Fortifie. Lord, fais croître have your will, Lord, and la foi who have not yet accepted you as their Lord and personal Savior. Father, et nous invitons your aussi, word Père says, tous ceux you are the God that qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ oh, comme leur sauveur et le Seigneur people, et venir goûter Lord. Notre Dieu. Go ah, de venir tester notre Dieu. Alléluia, to comme notre Paul dit, vous qui you. Avez déjà goûté aux attentes, et le Seigneur dit aux arrêts, to come, oh Lord, dit Jehovah, Seigneur, to the chief hold, qu'il vienne goûter à notre Seigneur, to come qu'il, to vienne, the house of qu'il God. Vienne tester comment to le Seigneur you, est bon, Father, du monde. Comme ça, oh Père de gloire, pray to know how great you ils are. Seront, comment pray tu es grand, know how powerful you are. Combien tu es puissant. Combien tu donnes la solution aux problèmes difficiles pour moi-même. J'avais témoigné. Ça c'est mardi, mais l'autre mardi facile. Oh, Père de gloire. You are alive, you are God. Nous pouvons que you are able to transform their tears, ceux-là oh qui n'ont pas you are able to change their sickness to healing, oh God. De venir. You are able to change their contamination. To life in abundance. De te recevoir comme sauveur, oh, et Seigneur. Vous aussi vous savez qu'ils dépendent de toi, que leur vie dépend de toi, que le souffle de leur esprit dépend de toi. Don't oh, say, Father, merci, where are you? Mon Dieu, mon roi. Oh, Jesus. Alléluia. Touch your heart, oh Lord. Gloire à toi, Seigneur. Let them know that you are beside them. Merci, Père de gloire. Father in heaven, merci, open our spiritual Dieu. Eyes. Our spiritual ears. So when you speak for us to know. Afin que lorsque tu parles, to be able to discern that you are speaking to us. Mon Dieu, mon roi. To be able to see you, Father. Que les gens puissent discerner quel est le temps que nous sommes en train de passer. Oh, mighty et God. Qu'ils puissent comprendre quelle est la bonté mighty de l'Éternel. La miséricorde qu'il a ou qu'il renouvelle tous les matins pour nous. Life of your children, merci, Lord. Père de gloire. Father, you continue to see God and protect us. Merci de nous. Because you are super ego, you are Father. Par ton sang précieux. There is no other Father like part you. À toi, il n'y a point d'autre Dieu. Father, dans le nom puissant et glorieux we love de you, notre Lord. Sauveur et thank Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Alléluia. Cher ami Saint-Esprit, dear Holy Spirit, seul je ne suis rien. Alone I can do nothing. Tu as toujours été mon invité spécial. You have always been my special invitee. Dans ma vie de tous les jours. In my daily life. L'invité de ma maison, c'est toi. I invite you in my house. L'invité de ce ministère, c'est toi. You are the one that invited me in this ministry. Viens et enseignons ensemble. Come and let's teach together. Dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Merci, cher ami Saint-Esprit. Dear Holy Spirit. Bien-aimé dans le Seigneur.
Dear brethren, nous avions parlé des cinq visions de Amos, d'Amos. We spoke concerning five visions of Amos. Mais avant de commencer le livre d'Abidias, before we start the book of Obadiah, je me suis dit si je ne parle pas de la conclusion du livre de Amos, parce que quand j'ai commencé de lire le livre d'Abidias, j'ai jeté un coup d'œil sur le verset 11 à 15. J'ai dit, ça c'est quand même très important. Je ne peux pas les zapper comme ça pour l'amour que j'ai pour l'Église corps du Christ. So I wanted to start the book of Obadiah, but when I look at 11 and 15 of Amos, I said no. Can I just let it go? So I have to explain to the people of God that is of that the last passage 9, chapter 9. Ah oui, j'ai découvert. J'ai découvert que depuis Osée. So I discovered it since Hosea. Joël. Et d'ailleurs, dans Osée, bien-aimé dans le Seigneur. In Hosea, dear brethren. Ce thème que nous avons appelé l'amour retrouvé ou l'amour rédempteur. And this word we found that love, redemption love or refund love. Lui qui a dit je ne pardonnerai plus. God has said I will no more forgive them. Mais quand tu lis la conclusion. When you read the conclusion, il revient toujours. Voilà pourquoi je l'appelle. Chacun a son nom qu'il appelle Dieu. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler le maître de la destinée. Et maintenant, j'ai découvert encore une autre appellation. Je l'appelle l'éternel restaurateur. So everyone has a name that he or she calls his or her God, this Almighty God. I do call him. Master of destiny. I do call him master of destiny. But when I discover him again, I call him a restorer, the good restorer. Everlasting restorer. Everlasting restorer. Parce qu'il ne veut perdre personne. Because he don't want to lose anyone. Il se fâche après, il dit, c'est mon peuple, je reviens. So il se répand de sa colère à chaque fois. Even though he's angry, at the time will come, no, these people I love them, they will not relent of his anger to draw his people back to himself. Et j'ai une brèche de pensée qui commence à monter dans mon cœur. Je me suis posé la question si il y aura vraiment des gens. Je ne sais pas, je ne veux pas ouvrir ça maintenant, sinon ça sera un sujet à discussion. Mais je ne sais pas s'il y aura vraiment quelqu'un qui restera. So there's a thing that is coming to my mind, but let me just leave it. I don't know. Tom, that is there someone is going to, someone will still remain. Nous allons lire ça. So we are going to read it. Nous allons lire ça. We are going to read it. Parce que ce que Osée dit, et c'est la conclusion de Amos. Because what Osée said is the conclusion of Amos. Nous allons lire ça, bien aimé dans le Seigneur. We are going to read it, dear brethren. J'ai écrit ça sur notre page Facebook. I wrote this in our Facebook page. Le dénouement du plan divin selon Amos. The unfolding divine plan selon Amos. According to Amos. Parce que j'allais appeler ça, mais quand je lis ça, je me suis dit non. J'ai découvert des choses que je dois faire savoir au peuple de Dieu. So I discovered things that the children of God need to know also. Regarde comment il conclut son livre, Amos. Look at how Amos concluded his book. Et c'est là où ça m'a donné cette brèche dont je suis en train de parler. Il revient toujours dans son immense amour. Regardez. So that is what, you know, that is what I said earlier that gave me, you know, the zeal to talk about it, that God is always, you know, coming to his infinite love. Parce qu'il s'agit du rétablissement. Hein? Pourquoi j'ai intitulé ça le déroulement du plan divin? Why do I title it that is the unfolding of divine plan? The unfolding of divine plan.
C'est parce que ici, regarde comment il conclut. Look at how it concluded. En ce temps-là, je relèverai. Vous voyez, c'est le futur. Donc, on parle déjà de la seconde venue de Jésus-Christ. About the second coming of Jesus Christ. Or, c'est lui qui a vraiment beaucoup insisté sur la seconde venue de Jésus. C'était Osée et Joël. So the one that really insisted of the second coming of Jesus Christ is Hosea and Joel. That's your reading Amos 9 from 11. Et pendant que je lis le petit prophète, ils ont un point commun que je commence à comprendre. Je ne sais pas qu'en est-il quand je lirai Nahum, Michée, Jonas, tout ça là, même si je les ai déjà lus, mais après relecture, on verra encore si il y a ce point commun. Mais on voit ici. So all these little prophets, they have something in common. Then we'll see when we're about to read Nahum, Esdras, if it's still the same, although I've read it before, we are still going to look at the, you know, the similarity, the mission that all these little prophets they have together. Et ce qu'ils ont en commun, c'est ce que j'ai découvert, c'est cette parenthèse là, cette brèche là de pensée que je suis en train de réfléchir là-dessus, mais je vais y arriver parce que tu verras à chaque fois Dieu veut récupérer son peuple. Toujours il veut récupérer, restaurer. All they have in common is always restoration. Every time, even though God is angry with his people, every time he still wants to restore them, but to come back. Et ce que nous allons découvrir ici. What we are going to discover here, c'est trop fort. It's also wonderful. Trop fort. Wonderful. Lisons, nous allons comprendre ça. Let's, we are going to understand it. En ce temps-là, c'est-à-dire à la seconde venue de Jésus-Christ. That means, j'explique en même temps pour gagner. The second coming of Jesus Christ, say, on that day, je relèverai. I will raise up. C'est le futur. That is future. De sa chute, la maison de David. The tabernacle of David, which has fallen down, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines. Vous voyez ce qu'il fait? Il commence à faire. You can see what is the Lord said to him. He said, "I'll repair its damages. I will raise up its ruins." Et c'est ça le point commun. That is a common thing that. All these little prophets they have together. We have read before Hosea, Joel, Amos, now. D'où la seconde appellation que moi je reçois maintenant pour l'appeler l'éternel réparateur, l'éternel restaurateur, l'éternel récupérateur, même dans les nations. On continue. So that is where I make the conclusion that our Lord is a God of restoration. Our God is a God of repairer. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Ah. I rebuilt it as in the days of old. Quelle miséricorde! What a merciful God rebuilt. Ce peuple, re-established. Ce peuple incrédule. These unbelieved people. Ce peuple qui a fait des zigzags avec Dieu. People that make, you know, zigzag, make God to suffer, you know. Et là, il dit, je rebâtirai. I said, I will rebuild. Comme elle était autrefois, c'est-à-dire, avant la seconde venue de Jésus-Christ, il dit, il annonce, je rebâtirai Israël. That is the second, before the second coming of Jesus Christ, he announced that he will rebuild Israel as it was before. C'est pas beau ça? Wonderful. Et ça nous amène, pour ceux qui regardent les informations à la télé, comment le président américain qui était de Chila, Trump, a déjà proclamé Jérusalem comme étant la capitale, selon la Bible aussi. So when you look at the news, the ex-president of America, Donald Trump, you know how you also... Recognize, acknowledge the capital Jerusalem. Jerusalem as a capital. Ça annonce le temps de la fin. That is announcing
the end time. Pour ceux qui suivent nos études bibliques, j'en ai déjà parlé au temps de la fin. Parce que chaque année, je parle d'une manière ou d'une autre du temps de la fin. C'est une obligation. Je dois toujours rappeler au peuple de Dieu, parce que le rôle de l'Église, je le rappelle encore à tous nos bien-aimés, c'est ne pas d'enseigner n'importe quoi, c'est toujours et toujours la repentance et préparer le peuple de Dieu à l'avènement du Seigneur. Amen. So those that are following us, you know that every year we're talking about the coming of our Lord Jesus Christ, repentance, millennium. So that is our purpose. Purpose in the mercy of God to always prepare the children of God for the rapture. Afin qu'ils possèdent le reste des dômes. That they may possess the remnant of Edom. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, dear brethren. Le livre de Abdias va étudier que Edom. Va parler que les Edom. Mm. So the book of Obadiah, only to talk about Edom. Parce que quand on va étudier Abidias, lui va prophétiser que sur Edom. He is going to prophesy concerning Edom. Peuple de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, vous savez, on en a parlé. Edom, ce sont les descendants de Esaü. So Edom is descendant of Esaü. Esau. Alléluia. Amen. Qui sont restés ennemis des siècles et des siècles entre les descendants de Jacob et les descendants d'Esau. D'où vient ce que Exode dit, le combat entre les Amalek, c'est des générations en générations. Les ennemis chiraient. Yes. So is there a way to see the, that is the battle between Esau and Jacob. We will study this book of Obadiah. That's when Esau said that the battle between Amalekites is from generation to generation. So it's really going to see the course of this, you know, battle between Jacob and Esau. Hallelujah. Amen. Et ce qui est intéressant ici. So what is interesting here? Voyez ce qui m'a ouvert cette parenthèse là, cette brèche là où j'ai dit qui restera finalement. Parce que ici il dit. So you can see where I said who is going to remain. Afin qu'il possède le reste des dons. That they may possess the remnants of Edom. Et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Soulignons ça bien, mais je vais expliquer ça. Et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Il dit, and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord who does this thing. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, ça me donne l'idée de David. So this is giving me the idea of David. Vous savez, David en hébreu, ça veut dire bien-aimé de l'Éternel. So in Hebrew, the meaning of David is bien-aimé de l'Éternel. Dear beloved of God. Yeah, beloved of God. Alléluia. Amen. Ça, peuple de l'Église universelle de Dieu, vous en savez quelque chose, on l'a toujours dit. Bien-aimé de l'Éternel. Beloved of God. Il a fait des bêtises. That is this something that is not pleasant. Dieu l'a puni. God punished him. Mais son alliance avec Dieu n'a jamais été rompue. But his covenant with God has never changed, has not been broken. Parce que de lui, comme Dieu avait promis que de toi, de ta descendance sortira des rois. As God promised you that from the descendant that they're going to be a king. Maintenant, lorsque il dit afin qu'il possède le reste des dons. Oh, he said that they may possess the remnant of Edom. Et toutes les nations sur lesquelles mon nom était invoqué, a été invoqué. And all the Gentiles who are called by my name, says the Lord who does this thing. J'aime bien en anglais. Parce que, en français, pour comprendre ça, il faut aller dans Actes. Mais chez vous, en anglais, c'est bien dit directement les gentils. C'est-à-dire les païens. Yeah, gentile, the pagan. You can see in is explained in English version. Gentile, these are pagans. Or quand on parle des gentils, c'est ça qu'on gentiles. Appelle les nations, c'est ça qu'on appelle les païens. Pagans.
il dit afin qu'il possède le reste des hommes et toutes les nations. C'est-à-dire chez les gentils là, chez les païens là, tout cela. Parce que le païen lui ne sera pas jugé. Il n'est pas sous la loi. Il ne sera pas jugé selon la loi. So the pagans are going to be judged according to the law. Mais je me suis posé des questions. But I ask a question. Quand il dit sur lesquels mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Donc, un païen. That means a pagan. Parce qu'il y a des païens et païens. They are pagan and they are also, there's a level of pagan. C'est ce que j'ai compris par ici. That is what I understood here. Ils seront récupérés. Also be look also in salt. In which way? Parce que il y a de païens, il n'est pas baptisé né de nouveau. There are some pagans, they are not born again, they are not baptized. C'est ça la définition d'un païen. A definition of a pagan. Quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. The one who did not accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Mais ces gens-là reconnaissent, il y a parmi eux, des gens qui reconnaissent la providence, qui reconnaissent que il y a un Dieu qui existe. But among these pagans, there are still some that recognize that God do exist. Parce qu'il dit, that où mon nom God, a été invoqué. That he said, who are called by my name. Ça m'a troublé. So I was a little bit, you know, astonished. Ah. Alors, je me suis posé des questions sur ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens et puis aux Corinthiens. Quand il dit il n'y a ni juif, ni grec. Ah. So I have a question. I now think of what Apostle Paul said in Thessalonians. That neither Jewish or Greek. C'est pourquoi il y aura des surprises hein, le jour de la fin là. Regardons maintenant. Those will be surprises. That is the end day of judgment. That those that are calling Christian, will be surprises. Ce qui m'a aidé. So what helped me? Dans la conclusion de Amos. The conclusion of Amos. C'est Actes chapitre 15. The book of Acts chapter 15. Alléluia. Amen. Acts 15, dear brethren. Ce que Amos dit ici à partir de verset 11. Acts 15 from 11. Jusqu'à 12. 11 to 12. Acts 15, 11 to 12. Jacques le dit dans le livre des Actes des Apôtres. And James said in the book of the Acts of the Apostles. Il était à partir de verset 16 jusqu'au 20. 16 to 20. Et d'ailleurs, on peut commencer même à partir de verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard. Voilà, 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 voilà. » A d'abord jeté le regard sur les nations. Acts 15, we're reading from 13, we're now verse 14. Comment Dieu a jeté d'abord le regard sur les nations? Peuple de Dieu, suivez-moi très bien parce que ça c'est très important. People of God, be attentive, this is very important. He said, God at the first visited the Gentiles. Tu le savais ça? He visited the pagans. Tu le savais ça? Donc, il a jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Donc, Gentiles, you know, le peuple qui porte son nom, c'est qui? Israël. The people that carry his name is Israel. C'est Gentile to take out of them a. Et avec cela s'accorde les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Tu vois maintenant? And with this, the word of the prophets agree. Just as it is written. You can see that. Après cela. 16. Regarde, this, regarde là où Jacques rejoint Amos. Look at where James now, this act of the apostles, you know, is repeating what Amos is saying. Je reviendrai.
After this, I will return. Et je relèverai de sa chute la tente de David. Ben, c'est ça qu'il dit ici. And je le relèverai de Amos. And we rebuild the tabernacle of David, which has fallen down. That is what we have also read. J'en réparerai les ruines, Amos. Et je la redresserai afin que le reste des hommes. Tu as vu ça? Listen maintenant. Le reste des hommes cherchent le Seigneur. So that the rest of mankind may seek the Lord. Alléluia. Amen. Tu vois maintenant comment les nations seront récupérées? You can see how the nation is going to be restored. C'est-à-dire quand ils vont voir ce qui va se passer en Israël. So when you will see what is going to happen in Israel. Maintenant, je ramène ça sur notre vie sur terre pour ouvrir les yeux d'un plus grand nombre de gens qui nous suivent. So this point, I'm bringing it to our present life nowadays to open our eyes. C'est-à-dire, it means après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines. Voilà. Et je la redresserai afin que les restes des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses. Comment les autres nations, comment les autres hommes vont suivre? Okay, even all the Gentiles who are called by my name, says the Lord who does all these things, how are the Gentiles going to follow? Je vais expliquer ça physiquement et spirituellement. So I'm going to explain it physically and spiritually. Spirituellement. Spiritually. Nous les chrétiens. We Christians. Nous qui sommes suffisamment aguerris parce que nous savons que Israël c'est l'horloge de Dieu. So we Christians know that Israel is like apple of God's eyes. Maintenant, now, lorsque nous voyons ce qui se passe en Israël, so when we look at what is happening in Israel, nous savons que le temps de la fin s'approche. So we know that the end time is near. Alléluia. Amen. C'est-à-dire maintenant, nous les serviteurs de Dieu, nous allons nous dire quoi? So, which servants of God are we going to say? La sonnette d'alarme. On commence à sonner la sonnette d'alarme dans nos églises. On commence à prêcher la repentance. On commence à prêcher la fin. On commence à préparer le peuple pour qu'il se comporte bien, selon dans la justice. So, pour qu'il ne rate pas le royaume, parce que ce jour-là, personne ne connaît ça. So when you look at what's happening in Israel, so now the Christian leaders need to be ringing bell, alarm. What is the meaning of that bell alarm? That to be preaching to the people of God concerning repentance that Jesus Christ is coming back soon. So no one will remain left behind. No one will remain for everyone to be raptured with God. Physiquement, c'est simple. So physically it's simple. Oh, bien aimé dans le Seigneur. So that everyone, you know, have to prepare his or herself to be in agreement, to be holy, righteous. Physiquement, c'est simple. Physically it's simple. Je me souviens comme si c'était hier. I can remember as it was yesterday. Pasteur Elisabeth et moi, on suivait les informations, on était morts de rire quand on avait suivi ça. So I and Pastor Elisabeth, that's when we're looking at it. Le reste des hommes. That is the remnant or the rest of mankind. Pendant la période de COVID-19. During COVID-19. Regarde ce que les spécialistes ont remarqué. Look at what specialists noticed. Je me rappelle que ce journaliste-là avait dit, il y a un petit livre appelé la Bible, dont le nombre de ventes a augmenté et a dépassé le terme qu'il avait annoncé, c'était le livre le plus vendu pendant la période de COVID. C'est-à-dire quoi? Le reste des hommes, le reste des hommes, qu'ils prient ou pas, ils ont reconnu que non, cette histoire-là, dans cette maladie-là, et ce que nous vivons, le monde n'est plus comme c'était avant. Quelque chose vient de changer. Laissez-moi commencer à lire la Bible. So the man said, les restes des hommes, ils viennent où? Dans les nations. Ah! Come on, praise God. So the rest of the mankind is coming from the nation. So the man said,
During the COVID, that's the most essential things that they are selling more is the little book, which is called the Bible. That many are buying Bible. Many are not buying Bible. Why? Because they want to read it. We are seeing what is happening. They want to read it. They are not reading Bible. Because they don't want to remain behind. They want to be remnant. They want to also rapture. Because what is going on nowadays, instead they want to prepare themselves. So what they sold more during that coronavirus was Bible. Je me rappelle, ces jours-là, j'étais parti dans un magasin exotique, j'achetais des produits africains. Je raconte. So that day, I went to a shop, African shop. Je rencontre un vieux du quartier. So I met an elderly man. Qui sont habitués dans leurs endroits là de prendre de l'alcool, de fumer, tout ça là. No, they are used to, you know, in that their quarter, their circle. Where they les restes des hommes. Drink. Les restes des hommes. That is the remnants of mankind. Ah, of the rest of mankind. Il me voit. Ah, petit bovin. So when the man saw me, that early man, I knew him. He said, ah, little petit bovin, petit Vicky. Ah, donne-moi l'adresse de l'église. Please, parce que cette histoire-là, je dois venir. C'est chaud, mon frère, mon gars. Give me the address of the church. I need to come because all of this is happening now. What is happening now? Oh, this story, all this situation. I need to come to church. Alléluia. Amen. Ah, quand j'ai compris ça. So when I understood it. J'ai dit non, ça je dois partager ça au peuple de Dieu. I said no, I need to share this with the people of God. Alléluia. C'est pas beau ça. It's wonderful. Comment les restes des hommes dans les nations, the rest of mankind. Ça commence à trotter dans ma tête. J'ai dit, mais finalement, Dieu a ces méthodes qu'il fait que nous ne comprenons pas. Et voilà pourquoi. So, alors c'est ça. God has his own method that we don't understand. Jusqu'à faire en sorte que, hein, regardez ce que Amos dit. Si l'éternel, mon nom a été invoqué, dit l'éternel qui accomplira ces choses. C'est-à-dire, ce païen-là. So it means all these pagans. Ça sera comme le voleur à la croix. It will be like the thief on the cross. Qui à la dernière minute. That at the last minute. Commence à remarquer que mais les choses changent. Start to know that things are changing. Things are changing. What is happening? I need to repent. Et il change spontanément d'avis. Il se répand et il entre. Et toi le chrétien qui des années et des années tu partais à l'église. Tu rates le ciel, mais lui, il rate. So it's like that thief on the cross. Immediately, look at what is happening. Immediately, he repented. Immediately, and he entered the paradise. But you, Christian, years upon years, you know, rain, snow, you enter. So go to church. Oh, you are serving God. So you don't even have tickets. You borrow tickets and go to church. Je dis, mais Amos. Tonton Amos, qu'est-ce que tu me fais découvrir là? Hein, tonton Amos! Oncle Amos, Ah! Bien-aimé dans le Seigneur! Dear brethren, hallelujah! Oh là là, accrochons-nous bien-aimés dans le Seigneur! Let's abide to the Lord, dear brethren! Chers amis chrétiens, frères et sœurs! Dear Christian brothers and sisters! Hey, il est grand temps! It's a great time. Il est grand temps. It's a great time. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Il est grand temps. It's a great time. Bien-aimé. Que Dieu suscite dans notre temps. Pour notre temps. May God resurrect in our time. Alléluia. Amen. De Amos. People like Amos. Pour évangéliser comme on n'a jamais évangélisé. To evangelize as never before. Des gens capables d'interpeller les gens, comme je suis en train d'interpeller un bon nombre de gens qui nous suivent en ce moment. Like the way you know I'm preaching, you know, calling people that have been connected at this moment. De reprendre son peuple et de leur annoncer le vrai évangile. That to announce a true gospel. Par la grâce de Dieu. By the grace of God. Ah, parce que bien aimé dans le Seigneur. Because dear brethren. Jacques conclut en disant ceci. James concludes by saying that is book of Acts of the Apostles. Et à qui elles sont connues de toute éternité.
Known au verset 18. Yeah, 18. Known to God from eternity are all his works. Maintenant la phrase qui me met KO. But it's something that make me to be really, really, you know, astonished and say, wow. La phrase qui me met KO. The sentence that really, you know, makes knock me down. Knocks me down. Regarde. Jacques dit ceci. I went. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux de païens. Ah! Qu'on ne crée pas de difficultés à ceux de païens qui se convertissent à Dieu. Therefore, we should not trouble those from among the Gentiles who are turning to God. Je me suis posé la question. I'm not under the law. I ask a question. Qui vont créer des difficultés à ce païen-là qui veut se convertir? Who is going to create problem to those Gentiles, those pagans that want to be converted? Mais je dis, Jacques a bien interprété Amos. I said James really interpreted Amos. Parce que, regarde, que c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux de païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir, de souillir des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Alléluia. He said, but we, say, but that we write to them to abstain. That is a way to be abstained from things polluted by idols, from sexual immoralities, from things strangled and from blood. J'ai pensé tout de suite, bien aimé, à la révolution du christianisme en Israël entre le peuple de la Samarie. Les Samaritains qui se considéraient peut-être supérieurs à ceux de, aux Israélites, les Samaritains qui se considéraient peut-être supérieurs à une certaine classe dans Israël. Et je ne sais pas, parce que nous les chrétiens, vous voyez comment on est hautain. Comment on est hautain. Oh, ce païen-là. Oh, ce païen-là. Mais. So when I look at when I read this passage, so I know that when I went to the revelation of Israel, how the Samaritans they think they are more spiritual than people of Israel, especially we Christians nowadays, you know, we think we are more holy, more powerful, more holy than those pagans. We always want to scandalize them. Chrétiens, faisons attention. So we Christians need to be very, very careful. Ne créons pas de difficultés. En d'autres termes, ne mettons pas les roues, les bâtons dans les roues pour que les païens viennent dans le Seigneur par notre comportement, yes, notre façon de parler. Il faut que les païens voient en nous des modèles, exactly, pour qu'ils rentrent dans le royaume des cieux. C'est ça que ça veut parler. Ça veut dire ici. Amen. What this passage, this verse, this verse 20 means, and verse 19 means that we should not be a stony block for pagans not to come to the Lord. Why? Maybe because of our behavior, our mouths, the way we do things. You know, so we don't discourage the pagan to come and serve the Lord. C'est le message que je prêchais dimanche. So that is the message I preached on Sunday. Qui achèvera les souffrances de Christ? Who can bear or accept the suffering of Christ? L'église corps Christ est malade, bien aimé. Body of Christ is sick, is weak. Les hommes de Dieu tombent à tout moment des discussions banales. Celui-ci vient à la télé, insulte l'autre à cause de la dîme, l'autre va défendre sa doctrine, je ne sais pas. Voilà, des débats inutiles. Arguments. The debate inutile. You see Christians nowadays, even men of God, you know, let's just read debate, let's read argument, insulting one another. Au lieu d'augmenter la foi des gens, it also bringing their own doctrines. Ils baissent la foi de peuple de son église, de peuple de l'église corps de Christ. Savez-vous combien de chrétiens sont restés chez eux à la maison et ne veulent plus partir à l'église? C'est ça que Jacques est en train de dire ici. Et si les chrétiens restent à la maison à cause de trois hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, qui devraient prêcher, comme je disais dimanche, pleinement l'évangile.
So because of us, et que ferait le païen? Viendra-t-il à Dieu? We Christians, n'est-ce pas, ils vont insulter les églises? Ah, vos églises, ah, vos églises. Comme le pasteur disait, c'est devenu même honteux de dire que je suis homme de Dieu, je suis pasteur. Ça devient ridicule. So nowadays, it's like a ridicule. When you see you are a man of God, you are a pastor of Jesus, because some of our behavior, because some of us to help a brother, help to increase this our faith, we are not making that brother to backslide, to reduce, to from faith, to be out from faith, to be knocked down from faith, because for our behavior, because of the way we behave, we are not preventing others not to come to church because of the way we are behaving. Even men of God, women of God, workers in the church, is a chain to us. Alleluia. That is what this passage is saying. Alleluia. Amen. Où est la circoncision du cœur? Where is the circumcision of the heart? Because of our behavior, our character. Même pour to become to church, on nous appelle les circoncis, nous nous comportons comme des incirconcis. We are being called circumcised people, but we behave as uncircumcised people. Et d'ailleurs, pendant que je prêche, pendant que je parle là, and as I'm preaching, as I'm speaking now, ça me rappelle encore Acte 10, là où Pierre était surpris quand il est venu avec des circoncis, mais il arrive, tu connais ça, je prêchais ça sur les baptêmes, mais il arrive à Joppé, paf, les incirconcis commencent à parler en langue. Le jour de la fin, bien aimé. Attention. So, non. Je vais nous lire ça. Go ahead. Acte 10. Acte chapitre 10. 44 à 46. 44 to 40. Jusqu'à 46. Et 47. It's like when Peter, you know, came, he came with a circumcised, when people started looking at him, but that circumcised started speaking in tongues. So that is why on the last day, there will be a lot of surprises. Comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous ceux, au pluriel. On n'a pas dit que les circoncis, les incirconcis, non. All, 44 is tout. All. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus chez les païens. Alléluia. He said, when Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word, and those of the circumcision, and who believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. That is, poured out on the pagans also. Et lorsque nous lisons ce passage, our spirit were poured upon everyone. Et lorsque nous lisons ce passage, so when you read this passage, as we read this, just read this passage, quelle est la leçon que nous pouvons en tirer? So what is the lesson that we derive from this passage? Est-ce que Dieu voulait humilier les circoncis, ou il voulait leur donner une leçon d'humilité? Did God wanted to humiliate the uncircumcised people, or he want to give them the spirit of humiliation, humbleness, that is always unity, to love one another? In another way, do not neglect the Gentiles. Do not judge. Do not neglect them. With love, you can be able to win them to God. Amen. Avec amour, tu peux gagner ton frère. Le païen. Parce qu'ils étaient surpris. We were all surprised. Je pense que, pourquoi la Bible dit qu'ils étaient étonnés? Why the Bible says they were all astonished? Parce que quelque part ils étaient hautains. C'est-à-dire, yes, ils were, you know, they want to feel proud that Peter came to Joppa. C'est-à-dire, ils viennent avec assurance. Ah, c'est nous les pasteurs. C'est nous les bishops. C'est nous les archibishops. Et ils commencent à prier. Et they are bishops. But we start to pray. Mais on est venu
On est venu ici chez les incirconcis, non? But they came to chez les païens. So the pagans. Mais comment se fait-il qu'ils commencent à parler en langue comme nous? Ah! Mais, qu'est-ce qui se passe? What happened? Everyone starts speaking. Now, hallelujah. And they understand themselves. Bien aimé! Que personne ne mette le bâton dans les roues. Attention, c'est une leçon que moi-même j'ai compris dans la méditation. Bien aimé, faisons un effort, nous les chrétiens, ne pas créer des difficultés à ceux qui veulent venir dans le Seigneur. Please, we Christians should be very, very careful. We should not be a stumbling block to those that want to come to the Lord. Voilà pourquoi j'avais dit bien aimé dans le Seigneur. That is why I said, dear brethren. Dans toujours Amos. In a book of Amos. Être choisi c'est bien. To be chosen is good. Mais c'est une lourde responsabilité. But it's an heavy responsibility. Aujourd'hui tu viens de comprendre. Today we just understand. Que c'est dans les nations que Dieu a choisi son peuple. That is in the nation that God chose His people. Si vous ne saviez pas aujourd'hui vous avez découvert ça. Donc même dans les nations là, il y a ces gens là-bas. That is the nation, that is the mankind, that is the Gentiles. Among the Gentiles, the pagans, God also shows His people. Mais il le dit clairement, verset 17, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. For the rest of men, mankind, seek the Lord. Donc Dieu a besoin que le reste des hommes dans les nations viennent aussi à lui. Maintenant, qui reste là? So God needs the rest of the market to come to the Lord. Who is going to be the remain? Ce qui justifie que il est capable, Ézéchiel, de changer le cœur de pierre en cœur de chair. That means Ezekiel, that is God is able to change the stony heart to the heart of shame. Moi, j'ai fait mon choix. So I have done my part. Je vais être comme Amos. I want to be like Amos. Évangéliser à grande échelle. So let's evangelize. Dans les médias, j'évangélise à fond. So through the media, evangelize fully. Avec mes flyers, je marche dans la rue, je partage. So with my armbits, my flyers, so I can also be evangelizing, sharing the flyers, the armbits, the poster. Ah, je pense que je commencerai à Midias mercredi prochain. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ou start Obadiah next week Wednesday. Regardez, bien aimé dans le Seigneur. Look at dear brethren. La conclusion que je fais. The conclusion I made. C'est le verset 12 jusqu'à la fin. That is 12, that Amos 9, 12 to the end. Là, j'ai très bien expliqué ce qui me trottait vraiment, ce qui me tenait à cœur, que je devrais faire découvrir au peuple de Dieu. So I've explained what was really, you know, disturbing my heart, but God also test, also notice, also know it. Maintenant, on tend vers la fin, le verset 13 jusqu'à 15, c'est beau. 13 to 15, wonderful. Il dit ceci, voici les jours viennent. Behold, the days are coming. Ça, c'est même la restauration. This restoration, yeah, is your restoration in the kingdom. Dit l'Éternel. Says the Lord. Où le laboureur suivra de près le moissonneur. When the plowman shall overtake the reaper. Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Où le mou ruisselera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Tu as vu ça? Hein? C'est pas beau ça. I will bring back the captives of my people. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ah. They shall build the waste cities and inhabit them. Le même Dieu qui avait détruit. The same God who destroyed. Le même Dieu qui les avait dispersés. The same God who scattered them. Cet amour infini. That is infinite love. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hallelujah. Everlasting love. Endless love. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. If you have not yet received Jesus Christ, your Lord and personal Savior. Cours vite dans l'église du coin. Si tu n'as pas d'église ici à Roubaix, viens voir l'apôtre Victor. Il y a beaucoup de bonnes églises. Tu vas dans l'église de ton choix, que Dieu va te diriger.
va accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. So run quickly to enter a living church. À cause de ce Dieu-là qui n'abandonne pas. Ask God to show you the way. Accept Jesus Christ, your Lord, our personal Savior, and be baptized. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. They shall plant vineyards and drink wine. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. They shall also make gardens and eat fruit from them. Maintenant, regardez la conclusion de Amos. Look at the conclusion of Amos in verse 15. Alléluia. Amen. Je les planterai dans le pays. I will plant them in their land. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés. Alléluia. Du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, and no longer shall they be pulled up from the land I have given them, says the Lord your God. Hallelujah. C'est-à-dire, it means, je veux très bien expliquer ça, bien-aimé dans le Seigneur. So let me explain it very well, dear brethren. C'est-à-dire, it means, Israël est planté. It's planted. Ils sont là. They are Ils ont pris possession de leur pays. They took possession of their land. Les captifs sont retournés. The captives are back. Les juifs de la diaspora sont retournés. The Jewish of diaspora, they are back. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, la RDC est plantée. That is, Republic of Congo is being planted. Alléluia. Amen. La diaspora est retournée. That is, those who are living in diaspora, they are back to their les land. Les sauterelles, comme nous avons étudié, les sauterelles, qui signifient les nations étrangères, que Dieu envoyait à cause de la désobéissance d'Israël. Les sauterelles ne viennent plus. Nous sommes plantés. Nous sommes chez nous. Ton petit bébé. Nous sommes chez nous avec le Dieu d'Israël. Tu vas entrer où? Tu vas entrer où? Les sauterelles veulent venir. Non. Rwanda, tu vas nous attaquer où? Fini la guerre à l'Est. Non. Tout est clôturé. On nous a plantés. Amen. God is not their defense. It means the locusts. That because of their disobedience, you know, God sent a locust to invade them. So with this now, according to this 15, je les planterai dans leur pays. So there's no more locust. They are not going to be invaded by any other country anymore. Jamais. To come and overcome them. It's finished because God Himself has planted them. It now make an edge around them. Exactly. Protection. Exactly. It's not upon them. It's not with them. Hey. Et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné. Les gelés, ils viennent faire quoi? Les sauterelles, les élèves, si c'est les gelés. Vous viendrez faire quoi? Non. Nous sommes plantés chez nous. Israël est planté. Planted. Ils mangent maintenant le bon fruit. They are not eating the good fruits of the land. Eating well. Now there is peace. Amen. Amen. On a compris ça. C'est pas beau ça? Wonderful. Alléluia. Amen. Mercredi prochain, Abidias. Voilà la conclusion, bien-aimé. Next week, Wednesday. Du livre d'Amos. Quand je médite, je dis non. Ça sont des choses que je ne peux pas rater. Ah, faut que j'explique ça au peuple de Dieu. In this book of Amos, say no. These are the things that people have gone into. They don't need to miss it. I have to explain to the people of God. Comment Jacques a développé le truc d'Actes? How James, you know, really developed, explained the book of Acts that we read, Acts 15 and Acts 10. C'était que la grâce de Dieu the grace qui of nous God. Permette de comprendre les Écritures. Et may that do enable us to understand the Scripture. Nous lui rendons toute la gloire. We give him all the glory. Nous allons prier. We are going to pray. Alléluia. Amen. Tant que Père, nous voici à la fin de ce livre. Heavenly Father, behold the end of this book of Amos. Merci Père de gloire. Thank you Father of glory. J'ose croire que tu es entré dans nos maisons. Amen. I believe that you've entered to our homes, our lives. Tu as formé quelqu'un. You formed someone. Tu as appris, tu nous as appris quelque chose. You've taught us something. Et nous avons compris. Amen. And we understood. Ton amour infini. Alleluia. Your endless love. Tu ne veux perdre personne. You don't want anyone to lose or to lose. Tu nous rebâtis.
don't really want to perish. You rebuild us. Tu nous reconstruis. You rebuild, you restore us. Tu nous récupères. You restore. Nous étions en captivité, mais tu viens nous récupérer. Amen. We were once in captivity and you came to restore us. Tu nous pardonnes. You forgive us. Oh, papa. Oh, papa. Merci pour ton amour infini. Thank you for your infinite love, your endless love. Hallelujah. Que quiconque qui a écouté cette parole. Whosoever that heard this word, this message. Écoute. On garde ce que l'Esprit a dit. Amen. À l'Église. To keep what the Spirit saying to the church. Pardonne-nous, papa. Forgive us, Father. Pardonne tous les serviteurs, servantes de Dieu dans qui composent l'Église, corps du Christ. Forgive all servants of God, workers of ministers of God that compose or comprises all body of Christ. D'une manière ou d'une autre. In one way or the other. Nous n'avons pas compris l'Évangile. We've not yet understood the gospel. Au lieu de laisser entrer les païens dans le royaume, nous les avons mis les bâtons dans les roues. Instead of what to allow the pagans to enter, to come to you, to come to your house, but will not be a stony block to them. Par nos mauvais comportements. Because of our bad behavior. Pardonne-nous. Forgive us, Father. Pardonne-nous. Forgive us, Father. Pardonne à cet homme de Dieu, à ce serviteur de Dieu, à cette servante de Dieu. Forgive that man of God, woman of God, that workers of God, ministers of yours, Father. Qui d'une manière ou d'une autre. That in one way or the other. A empêché quelqu'un d'entrer dans le royaume. That has prevented someone to enter the kingdom of heaven. S'il te plaît, papa. Oh, please, Father. Récupère tous ces hommes-là. Take back those men, those women qui désirent, that desire revenir dans la moisson, to come to the sheepfold. Dans les précieux noms glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Soyez bénis. Be blessed. 1 heure à la montagne. Do not forget on Friday, 1 hour on the mountain, midnight. Alléluia. God bless you all. Good dreams. Faites de bons rêves. God bless you. Don't forget, we love you and God love you more. Nous vous aimons et Dieu God vous loves aime you more. Plus. Soyez bénis. Be blessed.